Nouvelle la gare dans la rue a gen an pil employé USCIS qui dans problème. Ça a évoqué, ça a mis de côté son investigation. Comme quoi, il est impliqué dans un réseau qui a marché pour un cob pour approuver le monde. Laissez-nous dire une nouvelle ça que moi-même, moi, j'ai entendu longtemps, que je ne voulais pas partager. Je vais partager là sous condition. Peut-être qui ça? Parce que, il n'y a aucune note officielle qui sortit effectivement dans USCIS qui dit que un bon employé est révoqué. Je vais continuer à comprendre. Mais nous connaissons que, il y a longtemps que les moins live, en pile, on a parlé de cause ça, en pile, on a dit, on connaît le vrai bail 4000 dollars, c'est un deux choses. Moi, je me suis dit, mais nous combattons comme ça, fait, parce que, tout le monde qui fait bail comme ça, en fait, tout le monde qui USC qui fait bail comme ça, et c'est pas jouet. Parce que là, on a parlé de, on a qu'il y a la sécurité publique, Homeland Security, le monde qui a entré dans le pays, c'est un dossier qui est très sensible. Et très certainement, dans l'hypothèse que on bagaille comme ça fait, yo pa ta jamais rete a bêtiser, vous comprenez? Maintenant, moi même là dans mon parler avec vous là, moi pas ka effectivement confirmer est-ce que moun sa yo révoqué. Mais reste que différentes moun en fait, il y a des journalistes haïtiens qui très connus qui respectés dans la communauté a qui partagent. Mais nous même nous obligés partager aux conditions. Ça va nous partager le conditions parce que nous connaissons que livre ba la parler et qu'effectivement c'est probable. Et dans cause ça, et j'aime te dire, moi je dis tout le monde qui est entré dans ça, c'est que ou vraiment mettez tout dans problème. OK? Parce que n'importe les aucun belli et bien il y a invalidé dossier là. Et tu sais vous quand tu avais l'autorisation non mais il y a tu avais l'autorisation là. N'importe les vont classe ça. Ou quand tu avais pour 2 ans, n'importe qui a droit de dire ou pas autorisé. Et ça veut dire. Il dit automatiquement, il a droit de cancel le travail et cadre de travail qui est dans moi. Ok? Il y a droit de cancel. Donc c'est ça, vous comprenez. Nous-mêmes, nous te disons, nous faites très attention. En plus, on a dit, oui, il existe vrai, je me dis comme ça. Moi, je suis tellement connu dossier ça, sensible. Ok? Il est tellement sensible. Si vous nous avez pour entrer là, nous allons comme ça, va faire. Mais tenez bien, ça m'a dit, nous, vous êtes clair dans ça m'a dit là. Pas gagné, non, on va parler avec vous là, mais à tout côté, c'est dit que ce soit gros journal dans le pays, à Washington Post et autres. Pas gagné, il y en a là-dedans qui confirme qu'on action comme ça qui prend. Ok? Faut être clair sur ça, pas gagné, il y en a gros journal qui confirme qu'on action comme ça qui prend. On va suivre pour vous. Mais est-ce que, j'en ai dit là, il y a des gens qui sont très respectés dans la communauté, qui partagent. Et nous pensons que nous sommes capables de certaines, puisqu'il t'a parlé en bas, bien que moi-même, ça me dit, que man, un monde qui est dans USCIS et qui choisit, en fait, un employé pas bon ici, qui choisit hypothéquer l'avenir, dans ce sens-là, je pense que c'est très risqué parce qu'il n'y a pas bêtisé. Écoute, guys, depuis ce dossier pour faire mon entrée dans le pays, c'est sécurité publique liée. Ok? On entre là, il y a privé sous. Son dossier grave, il y a privé sous. Il y a pas blague, il y a privé sous. Il y a une garantie, il y a prend, oui. C'est ça, je suis capable de lire, par exemple, que je suis déjà connu. Sous compte Twitter, USCIS, il rappelle nous que lui-même, en fait, il n'a pas accepté Western Union, MoneyGram, PayPal, Giftcard comme moyen pour payer. Ok? Et c'est une raison que malheureusement, guys, que vous prenez un pile comme dans les comme ça. Même aux États-Unis, nous connaissons l'histoire. Vous là, vous comprenez, vous allez là, vous allez acheter un gift card. Vous allez un gift card. Vous allez tout cas de l'histoire. Vous regardez des gens qui fous là, vous faites le coup, vous allez payer ceci, c'est pas ça, vous allez arrêter, le patati patata. Vous comprenez? Un pile monde tout, vous faites MoneyGram. L'Iran, guys, attendez bien. Même là, l'Iran pour que. Transaction ça va faire pour nous déposer son account banque pour lui. Vous comprenez? L'IRA, vous comprenez, c'est toujours transfert. Vous comprenez? Transfert. Et là, on nous fait transfert. Quand j'ai ouvert, il y a un devant transfert. Vous en prenez, laissez-vous faire un FKID, on s'en va là. Et puis, on prend quoi bien? Voilà. D'accord? Donc, moi, je vois que USCIS, dans le cadre fraude, effectivement, il t'a rappelé à tout le monde que yo même
yo pas mandé moun payer pour voyer transfert ou bien gift card yo pas faire bail comme ça. Voilà. Et yo dit yo pas jamais mandé payer comme pour un moun dans téléphone ou bien dans email. Voilà. Debout dans téléphone, vous attendez ces causes immigration qu'a dou payer comme ou bien dans email yo comme pas bail comme ça. Et j'ai toujours dit tout le monde, restez connecté avec moyen de publication gouvernement, ok? USCIS.gov, DHS.gov, c'est un qui sous officiel. Et chaque fois, même ça me se partage avec nous là, me dit bien, moi partager sous condition, ok? Parce que moi clair sous ça, moi poco vérifier que effectivement que gain employé et jusqu'à présent en bas nouvelle là me dit que men mais moun sa ou même yo moun qui rentre dans cause ça ou même par contre ça dans tête yo par contre ça parce que y a pour quand même zami pam y a pour quand même c'est la sécurité publique yo pa jouer sous cause ça yo pa jouer yo pa jouer et ou grand problème c'est pas ou c'est un problème moun ou te fait pour li ou même que ou même pour travailler ça ou même quand bon pas connait moi pas gadou pas c'est mon ici la TPL c'est mon US la TPL ou gagne dans pays pas besoin connait il a prend statut il a prend son statut était baou qui était humanitaire parler mais il prend il la go dans l'arrière non pas prend le compte gagne ou tout gagne ou gagne fraude coco que dans dossier oui tu avais déjà dans pays guess what Walder fait asile, ça qui empêche de faire asile lui. Walder a une résidence, ça qui empêche de faire une résidence. Est-ce qu'on a tout cela quoi? Ok? Donc, et encore, moi regardez, je dis, USCIS encore qui dit, attention, nous ne pouvons pas contacter à travers et social media, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Bon bon monde qui madame qui effectivement et qui collait sur TikTok mon ami tande mon a parlé vrai comme bouyo il a fait approuver bon bon notre monde tout qui dit connait mes côtés yo vous comprendre et yo yo na yo quand t'as fini à mois janvier ou bien yo na temps février y a de pas connait qui vont faire connait qui on va faire connait que yo fini avec mois janvier ou bien yo na 26 janvier ou na 27 janvier. Expliquez-moi qui j'en fais connaître. Est-ce que USCIS partage information ça? Tu pas partagé. C'est un peut-être problème qui gagne dans USCIS. Dans cause de janvier, ça, un peu mon a posé question. Comment faire gagner janvier toujours? Et peut-être là, on peut nous porter plainte sur ça. On peut porter plainte pour dire USCIS manque de transparence. Il est clair que son manque de transparence. Je ne dis pas. Au moins, je comprends, oui, vous dites que j'ai dit, mais au moins, t'as dit, mais combien j'avais crété? Mais combien j'avais crété? C'est ça, manque de transparence. Après plus d'un an, still, il y a un bon valet moun janvier qui l'a, les just. À un certain point, les vins ont été gens ridicules. Les vins ridicules, mais même les moun a posé une question, me dit, je ne sais pas pour me répondre. On imagine, dans un moment là, il y a moun 15 janvier, ou t'es pas approuvé moun, ok? Ok, m'a approuvé, mais 15 janvier, son non-sens. Après plus d'un an, ou gen 15 janvier que là toujours, son non-sens. Et juste son non-sens, li vraiment. M'a comprendre, ou moun 15 janvier que là peut-être, ou t'es écrit, ou t'es demandé les informations additionnelles, puisque bien que ça pas fait souvent, gen des cas qu'on demande moun nan voilà. En parlant de moun ici là, gen des cas côté qu'il a demandé, et il fait finger point. Donc, il n'y a qu'à comprendre. Dans la situation ça effectivement parce que là il y a un document en plus qui fait que le dossier a vienne pour un retard voilà donc c'est ça lié et je voulais souligner pour tout le monde que USCIS a annoncé que pour aller maintenant sur website là à 7-8 février pour aller maintenant pour ne pas plein. Là, sous lit, si gomba qui va faire. Ok?